Relais. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci d'être des nôtres. On va découvrir cette fois-ci, comme jeu de ninja, Aragami. Un jeu qui a l'air extrêmement chouettos, avec une petite touche d'Okami, de l'histoire du ninja, tout ce qu'il nous faut. De toute façon, à partir du moment où la vie est un ninja, tout va bien. C'est parti pour la découverte de l'histoire. De 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouf. Il y a l'essentiel. Il y a tout ce qu'il faut. Yomeko. Le rituel a fonctionné. J'ai réussi à invoquer un vrai Aragami. Trois petits points. Oh non, Yamiko, c'est moi qui t'ai invoqué. Comment t'appelles-tu? Comment te sens-tu? Trois petits points. Je suppose qu'un Aragami n'est qu'une enveloppe vide. T'as pas vu un modo? Oh, aura, trois petits points, Gami. Excuse-moi, tout va peut-être un peu vite. C'est pas toi, c'est moi. Tu sais, Naragami, un esprit vengeur invoqué par un rituel ancestral. Je n'étais pas sûr que cela fonctionnerait. Trois petits points. Vengeur. Point d'interrogation. Oui. Un clan du nom de Kaio. Ah, ils ont tué mon peuple. Ils ont pris nos terres. Ils ont tout détruit. Ils ont augmenté la taxe. Ils ont ajouté de la TVA à des jeux de société. Et ils ont créé un nouveau Perplexus. Nous avons perdu la guerre ainsi et ils ont tout rasé. Kaio, trois petits points. Je fais partie des quelques survivants. Ils m'ont emprisonné dans un temple de la cité, très loin d'ici. Ce que tu as devant toi n'est qu'une projection. Je ne sais pas combien de temps ils vont me garder prisonnière. Ou tout simplement en vie. Tu es mon seul espoir, Obi-Wan Aragami. Très bien. Trois petits points, que dois-je faire? Pour commencer, tu n'iras pas loin sans armes. Suis-moi. Et puis, attendez, si je suis une enveloppe vide et que je suis nu, c'est pas un erreur 404, non? Est-ce qu'une enveloppe vide peut être nue? Est-ce qu'on a un professionnel des enveloppes? Dans le chat. La porte est fermée! Ah, je peux me TP? Visez n'importe quel endroit dans l'ombre et appuyez sur... RB, pour vous téléporter, les runes sur votre cap indiquent votre niveau actuel d'essence. Si votre niveau d'essence est faible, vous ne pouvez pas effectuer... Oh, ça me fait trop penser à Dead Space. Donc, regardez, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avant que vous me cassiez en 4. Wouah, j'adore, j'adore, j'adore. Tu sais-t-il l'essence des ombres? Je ne savais pas que les Aragami... J'ai pas lu la suite. Dans ce cas, prends garde à la lumière. Les apparences de ton énergie restent dans l'ombre autant que possible pour y restaurer ton essence d'ombre. Mais c'est stylé! Regardez. Attendez, regardez. Oh! Oh non! Ah, c'est beau ça. Attention. Waouh! Tellement stylé! Ha ha.
Je connais cette stèle traditionnelle du Japon féodal. Ça veut dire... Qui s'appelle Lerio? Kizak. C'est ça. C'est ça. Ça vient du Japon médiéval. Okay. Les pouvoirs peut-être pourraient t'aider. Ah, qu'est-ce que cette stèle traditionnelle veut-elle bien dire? On va tester. C'est pour la science. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un se faire désintégrer? Avec de l'eau propre. Bah non. Maintenant, oui. Oh non! Même en hauteur et tout! On s'en doutait tout à l'heure, mais là, même en hauteur. Il y a quelque chose pour toi en bas. Un boss. Oh, j'adore quand les jeux commencent comme ça. Je trouve ça tellement cinématographique. Harry Potter, tu as cru me défaire une première fois. Oh, je ne sais pas pourquoi je comprends le fourche-lingue. Et pourquoi j'ai un katana? Mais attends, je ne me suis pas trompé de licence. C'est vrai, il tombe en morceaux. Tu sais. Ah mince, j'avais oublié que j'avais pas utilisé un katana. Ah, c'est presque un Zelda finalement. Très bien, ça sera utile. Ah, ouais, hop. Ouh, ah, j'aime bien les effets. Sauter par-dessus un muret. Pas classe. Se téléporter. Ouh, classe. Attention, on voit un caillou armé de la lumière. Va falloir qu'on défonce des gens de la lumière. Oh, 4 ans de frustration, 3 saisons de 3 saisons et 5 lives de rétention. Vengeance. Oh, c'est tellement stylé. Est-ce que je peux récupérer le corps et le... C'est tellement jouissif! Oh, Katana, allez, à la suite. Y'a quelqu'un là? Ok. Il l'a vu, hein. Ça vient, non. Ah, c'est chouette. Ok, très bien. Disparition. On peut aller sur les poutres ou... Là ou pas? Oh. Oh. Omae wa mou shinde iru. La ville t'a des kilomètres. Pourquoi nous faire patrouiller dans un village complètement d'Azaïr? D'Azaïr? Est-ce que tu sais pourquoi on m'en est là? Moi, j'ai une petite idée, mais... Ouh! Hop! Je l'avais pas vu venir, celui-là. Il descend. Personne. Ok. Surprise, motherfucker! Wow! Je t'avais pas vu venir, mon gars! Je t'avais pas vu venir! Ok, allez, c'est faire. Vas-y. Souffle ton corps. Tu sais, t'as un truc qui glisse, tu sais, quand il souffle dedans. Et là, on peut directement... Très bien, comme ça partir. Oh, c'est bon, ça. Très bien, très bien.
Et c'est vraiment des séquences à la fois à capter, mais en même temps à comprendre les possibilités. Et pour ça, faut se viander, surtout pour ça, faut pousser le jeu. J'ai toujours pas une idée de si on trouve du loot. À quoi ça ressemble? Peut-être là-bas, les parchemins? Ok. Hein. Je vais aller dans les buissons. Oh! Bien! Cinématique! Encore 3 petits points. 3 petits points! Yamiko! Une espèce de vision. Je, 3 petits points, moi aussi. Le rituel a sûrement créé une sorte de connexion entre nous. J'ai rigolé au mot connexion. J'en ai eu un autre. Lorsque je me suis réveillé juste avant de te rencontrer, qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas, il y a peu d'écrits concernant le rituel, puis je ne sais pas lire, puis j'ai utilisé pour t'invoquer. Nous en découvrirons peut-être par la suite dans le scénario. 3 petits points. Épitaphe. Ne perdons pas de temps. Je n'en voudrais pas que tu t'évapores à l'aube. D'accord, Quoi? Oh, je ne te l'ai pas dit? Non seulement t'as pas de personnalité, tu es ma chose, tu fais le scénar à mon service parce que c'est ma vengeance, ta life n'a aucun intérêt, mais fais vite le travail. Et je te paierai pas parce que tu bosses pour moi et tu es payé en visibilité. Très petit point. Okay. Heureusement que t'as pas fini de me dire. Et 3 petits points, des os. Des os, des os. Oh. Un parchemin au pied de la statue. Un parchemin au pied de la statue. Ah, je suis payé avec ce parchemin. Pas du tout, c'est pour utiliser des pouvoirs davantage pour mieux travailler pour moi. Ah, carré, carré. Pour ouvrir le menu des compétences et dépenser vos points de compétences pour débloquer et améliorer une nouvelle technique des ombres. Ok. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon. Ah ouais. Regardez. Oh, c'est super bien fait. Je veux monter sur la table. Je veux monter sur la table. Laissez-moi monter sur la table. Yes. Tu vois ce temple, c'est là que nous allons. C'est-à-dire qu'il gardait un animal qui pourrait nous aider. Oui, visiblement, il y a la magie qu'ils ont utilisée pour m'emprisonner. Tu dois absolument le trouver. Ça t'agit pas que je t'appelle Aragami? Oui! Appelle-moi Ar! Comment ça, peu importe? J'ai dit que ça me gênait. Normalement, ils m'en remarquent pas là. Hein. Enfin. Est-ce que nous avons quelqu'un avec un doctorat en médecine? Apparemment, ce samouraï était un russe. Il a, d'après ce que on a observé durant l'autopsie, il semblerait qu'il soit mort pendant qu'il dansait. Après quelques shots de vodka, c'est un peu trop fort. Oula! Ah, ça va pas là. 1, 2, ok. Wouah! Ah, c'est foutu. Attends, j'essaie un truc. Oh, c'est bon ça! Ah, c'est bon! On a une théorie sur la façon dont ils sont morts. Vas-y. On dirait... Oh, non, c'est pas du tout un cadavre. C'est une pacate. Vas-y, non, 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 souffle pas. Reste là-bas, reste là-bas. Reste là-bas. Penche-toi, penche-toi, penche-toi. Non, c'est parce que... Oh, vous avez compris ce que je veux dire. Nanana.
Faut faire un constat là à ce niveau-là. Regardez ce virage, il est super dangereux. Oh, regarde. Les gars, vous vous rendez compte, mettez un panneau, un dodan. Faites un truc. Vous vous rendez compte, à l'époque médiévale féodale, le danger que ça représente, les virages de ce genre. Ok, très bien. Oh. Un petit cochon. Oh, celui-là, il vole, c'est impressionnant. Écoutez, je suis qu'une coquille vide, je suis pas très intelligent. Oh, nul. Ah, bien sûr, évidemment. Fiche. Le cochon était effrayé. Charger quelqu'un, les bras écartés, c'est pas hyper. Ouais, il faut garder la main. Il faut garder un œil sur la cape. C'est souvent ce qu'on me dit le mercredi soir. Oh, mon nouveau loot. Un petit cochon à poil. Poil ? Non, plumes, ce sont des plumes. Petit cochon à plumes. C'est vision, trois petits points. A majuscule, il y en a qu'un sang. À quoi correspond-elle ? J'avais l'impression d'y être, petit point. Je crois que j'utilisais trois petits points, l'essence de lumière. Quoi ? Oh, le twist ! Ça veut dire que ce serait un ancien être de lumière qui était utilisé pour être invoqué dans les ombres ? L'essence des ombres, tu ne peux pas être un aide de lumière en même temps. Bah non, parce qu'avant j'étais, mais là du coup je suis une coquille vide. Et n'oublie pas que tu n'es apparu que ce soir. Mais si ce ne sont pas des souvenirs, trois petits points, qu'est-ce que je vois? À qui appartiennent ces visions? Malheureusement, j'en ai qu'une idée. Ce que tu dis, c'est faux. Pourquoi? Très bien, c'est un bon argument. Et comment le cochon va-t-il nous aider? Il surveille les mouvements de Kayo. Il devrait pouvoir nous mener un talisman. Quel talisman? La force du saut magique dont les hommes de Kayo se sont servis pour m'emprisonner provient de 6 talismans. Il nous les faut tous pour briser le saut. Alors, nous devons la récupérer avant de pouvoir te libérer? Oui. Et grâce à ce cochon, nous les trouverons beaucoup plus facilement. Parce qu'il a le nez pour ça. Du moins, je l'espère. Non, je vais me faire mal au genou. Ok. Les objectifs. C'est un cri de cochon! C'est... Ouais, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est fini. Faut que je fasse d'abord, faut que j'aille sur celui qui est le plus en haut. Toupie, plus T-Bag. Hein, le fameux T-Bag. Te retourne pas. Je lui ai dit de pas se retourner ou pas? Je lui ai dit ou pas? Et pourtant. J'arrive, cochonou! Regarde, tu trouves un passage à travers la montagne. Et pas que à travers la montagne. MDR. Et lui, il a l'air genre normal, tu vois. T'arrives là, tu dis oh, ça va, il fait juste une petite sieste à côté de la pierre tombale. Ça va, c'est tranquille. Ah okay. Non, lui fait la sieste. Ouh, en plus, c'est tellement stylé. C'est quand même vachement haut. Non. Je crois que c'est pas là la sortie. Ah, c'était l'étage au-dessus. Voilà.
Ça se joue à la frame. Hein. Je vous le dis parce que j'ai pas de quoi me TP et il faut que les ombres que j'ai générées me fassent régénérer ma cape. C'est pour ça que je me TP pas tout de suite en fait. Et que je suis là en mode oh, non, vous inquiétez pas, ça va s'écrouler, mais qui s'inquiète? Oh, le sang sur les escaliers. Bonjour. J'ai un petit problème de PNG, comment est-ce qu'on peut régler ça? Ouais, non, je suis complètement visible. Arrête avec ton background! Je veux tuer tout le monde! Je suis dans l'ombre! Ouf! Vas-y, passe! Ah, c'est un perfect. Hein. Là, on fait dans le perfect. Là. Vas-y. 3, 2. Parfait, tout. J'ai été tweeted. Oh non, il faut tout refaire. Non, très très fun de nettoyer les maps, très relaxant. Vous avez un vrai problème si vous pensez que c'est très relaxant. Je trouve que c'est genre giga chouette, vraiment giga chouette.